Donc, je m'appelle Anne-Sophie Kestiker et je suis fondatrice de la société DoctiBike. J'ai étudié à l'ESDES, l'école de commerce de l'Université catholique de Lyon, et je fais partie de la promo 2013. Alors, j'ai choisi l'UCLI et tout particulièrement l'ESDES au début de mes études parce que c'est une école qui intègre la partie sociale et humaine vraiment dans sa stratégie. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'aspect éthique qu'on ne retrouve pas dans d'autres écoles de commerce et qui est vraiment propre à l'ESDES. Donc, quand on est entrepreneur comme moi, l'objectif c'est de pouvoir rapprocher ce qu'on fait au quotidien avec des concepts sur lesquels on a travaillé pendant les études. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est notamment toute la période que j'ai faite sur mon mémoire, sur l'éthique dans les relations commerciales. Donc, j'ai créé DoctiBike juste après l'UCLI, l'ESDES. J'ai fait un master en marketing vente dans lequel j'avais décidé de me perfectionner sur vraiment le business model, comment on va réussir à développer une entreprise qui a de la valeur. Donc DoctiBike, c'est l'expert aujourd'hui en France de la réparation du reconditionnement des batteries pour la mobilité électrique. Et notre raison d'être et la raison pour laquelle j'ai monté cette boîte, c'est pour apporter de la durabilité dans les produits. C'est que, ces valeurs-là, je les partage avec l'UCLI et avec l'ESDES, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on est là pour créer de la valeur, on est là pour vendre des produits, des services, mais qui ont du sens et qui permettent à la fois à nos collaborateurs de s'intégrer dans une vision qu'ils partagent et aussi de proposer des produits qui sont bons pour la planète. Donc vraiment, notre raison d'être chez DoctiBike, c'est de dire un vélo, un bon vélo, c'est un vélo qui dure longtemps et notre rôle, c'est de faire en sorte que ces produits soient réparables. Spontanément, mon meilleur souvenir à l'UCLI, c'était à Taïwan pendant mon semestre à l'étranger, pendant lequel donc, le partenariat avec l'UCLI et l'école dans laquelle j'étais m'a vraiment permis d'apprendre de nouvelles choses dans mon métier. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le marketing notamment, et puis de rencontrer beaucoup de personnes de plein de pays différents, d'améliorer mes langues, mon anglais, mon mandarin. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est « make the most of it ». L'objectif, c'est vraiment que vous profitiez au maximum de vos cours, de vos périodes de stage, des associations, de toute cette richesse qui est apportée à l'UCLI et au sein de l'ESDES, qui va vous permettre de devenir des bons professionnels. L'UCLI en trois mots, c'est l'international, Lyon, éthique. Pourquoi ? Parce que c'est une école qui a des valeurs fondamentales fortes, qui met au centre de sa stratégie les étudiants, les gens et les valeurs des gens. Je voudrais remercier le directeur de l'ESDES et donc au sein de l'Université catholique de Lyon qui m'a aidé à un moment très compliqué dans l'historique de DoctiBike puisque DoctiBike a subi un incendie total de l'entreprise il y a 2 ans. Et j'ai contacté l'ESDES en disant « Coucou, je suis alumni, est-ce que vous pouvez m'aider ?» À ce moment-là, j'ai reçu totale ouverture et aujourd'hui, on utilise encore les anciens ordinateurs des salariés de l'UCLI. Donc pour ça, merci.